Bonjour à toutes et à tous, de retour en cuisine avec Chouquette pour une recette que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. D'ailleurs, est-ce que tu me suis sur Instagram? Bon, je suis Chouquette, je fais des recettes, des vidéos, etc. N'hésite pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram, à consulter le blog aussi, où il y a toutes les recettes détaillées, dont celle-ci. On va faire un jus de gingembre. J'avais déjà passé une recette de cocktail avec du bissap et du gingembre, ou ginger comme on dit. Et on m'a beaucoup demandé la recette du jus de gingembre simple. Donc voilà les ingrédients, du gingembre, du jus d'ananas. Certains prennent l'ananas et le mix, moi je préfère le jus puisqu'il est déjà concentré, du sucre vanille, du sucre. Les quantités sont sur le blog. Pour ma part, je débarrasse et on peut commencer. Donc la recette va être assez simple à réaliser. On va utiliser donc ce gingembre qu'on va éplucher ou râper. Moi je vous montre la méthode que j'utilise. Donc, alors la première chose déjà, avec l'économe, je vous déconseille parce que comme vous voyez, quand on va enlever, donc bien sûr, il y aura un petit peu quand même de chair. Donc je n'utilise pas l'économe, vous pouvez prendre un couteau à bourron pour ne pas se faire mal et gratter la racine de gingembre. Comme ça. Donc vous voyez qu'il y a encore moins de chair qui suit. Ou sinon, si vous avez un râpe, enfin ail ou fruits et légumes, enfin un truc pour râper, ou la muscade par exemple, vous pouvez tout simplement râper avec. C'est aussi simple que ça. Donc je continue de nettoyer le gingembre. Une fois qu'il est propre, je reviens. Une fois qu'on a tout nettoyé, c'est pas bien grave s'il reste un petit peu de peau. Vous prenez un mixeur. Alors soit on pile le gingembre, mais à défaut de mortier et de pilon. Et pour ne pas embêter mes voisins, je vais utiliser le mixeur. Donc on coupe des morceaux grossiers. Mais pas trop gros non plus. Ça se mélange bien. Ensuite, vous rajoutez au moins un demi-litre d'eau pour pouvoir mixer facilement. Petite astuce pour les personnes qui aiment bien le jus de citron et qui aiment bien le jus de gingembre, on va dire bien assaisonné. Moi, je rajoute un filet de citron pour mixer aussi. Une fois que c'est bien mixé, je filtre. Une fois que j'ai tout filtré, je rajoute de l'eau jusqu'à ce que vous ayez le goût de piquant que vous voulez. Si vous le voulez très très concentré, ben, ne rajoutez pas beaucoup d'eau. Je rajoute ensuite, donc je ne l'avais pas mis dans les ingrédients, mais moi j'aime bien mettre du citron. On met le sucre vanille. On rajoute d'abord la moitié du jus d'ananas. Et on va goûter pour voir si c'est assez relevé comme on veut. Et ensuite, on complétera avec le sucre. Donc pour la quantité, moi j'aime bien quand le jus de gingembre est bien relevé, bien corsé. Du coup, j'ai mis 30 cl de jus d'ananas, pardon. Et maintenant, vous sucrez à discrétion. Et une fois qu'on a sucré comme on veut, on va venir maintenant mettre dans des bouteilles et laisser au frais au moins 3 heures avant de servir.